Et salut à tous, what's up guys? Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que j'ai pu tourner il y a un mois de ça quand je suis allé à l'entretien à l'IUT Bordeaux Montaigne. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo tout autant que moi, et je vous laisse avec elle. Dans une crêperie à côté de la cathédrale Sainte-Catherine, il me semble. Enfin voilà, c'est, je vous ai mis des images juste avant. Et là, je viens de passer, vous allez le voir là dans les images qui vont suivre, dans la rue des enfants, c'est un événement qui a été mis en place par le CREPAC, le centre régional. Enfin, c'est quelque chose autour de la sensibilisation à l'écologie, à la protection de l'environnement. Et du coup, la rue des enfants, c'est une rue qui a été bloquée à l'occasion de cet événement. Et dans l'optique de faire découvrir aux enfants, par le biais de plusieurs stands, justement de les sensibiliser à l'environnement, à l'eau, au déplacement de l'eau aussi. Il y avait un parcours de vélo. Donc tout cet après-midi, il va y avoir des stands de loisirs qui vont passer. Et du coup, là, c'est aussi avec des jeunes en service civique que s'animer, voilà. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, Bordeaux est une ville plutôt cool pour le moment. Allez, on continue. Actuellement, j'ai fini mes entretiens à l'IUT Bordeaux Montaigne. Et du coup, là, je me balade dans Bordeaux jusqu'à 21h à peu près, parce qu'à 21h, il faudrait que j'aille à la gare récupérer, enfin, parce que j'ai mon train vers 22h. Et du coup, là, je me balade, je fais des photos, parce que là, je viens d'aller au miroir d'eau. Vous allez voir quelques plans après. Et voilà, c'est une vie plutôt sympa. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier, tout comme moi. Allez, c'est parti! Alors il y a
beaucoup de places dans Bordeaux et il y en a des particulièrement grandes comme celle-ci là qui est derrière moi, que je trouve particulièrement vide, inutile pour aujourd'hui et absolument colossal. Parce que voilà, il y a une colonne. C'était la blague de base.